il est devenu l'emblème d'une communauté. À la tête de Molengeek, l'école de codage qu'il a cofondée, il le clame haut et fort, l'échec fait partie de la réussite. Avec sa casquette de start-upper, Ibrahim Ouassari est notre invité aujourd'hui. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Ibrahim, c'est possible pour quelqu'un comme vous de se confiner ? J'avoue que ça a été très dur. Par contre, je n'ai pas été réellement confiné vu que j'ai travaillé au bureau, les bureaux qui étaient vides bien sûr. Ça reste du confinement social, donc je ne voyais personne. Mais je veux dire que c'était très dur pour moi de rester à la maison parce qu'il y avait plein de projets. Et donc j'ai un peu triché, j'avoue. Ibrahim, quelles sont selon vous les conséquences sociales et économiques de la crise dans votre écosystème et en particulier pour les jeunes qui souhaitent entreprendre et que vous accompagnez ? Il y a plusieurs conséquences, mais je préfère déjà voir les points positifs parce qu'on a eu l'opportunité de pouvoir essayer plein de choses dans cette période de confinement, comme le e-learning pour les écoles, mais aussi le home working pour le travail à distance pour les entreprises. On a aussi essayé les diagnostics, par exemple dans le côté médical, on a fait des diagnostics par téléphone, il y a eu de la télémédecine qui a été mise en place et tout ça. Donc ça a vraiment été l'opportunité de développer plein d'outils qu'on n'osait pas trop avant, on était vachement frileux. Et là, cette opportunité de confinement a fait en sorte qu'on mette ça en place et on a vu que ça fonctionnait. Pour la plupart des gens, ça fonctionnait et on espère vraiment que pour le post-confinement, beaucoup de choses vont être retenu de cette expérience-là. Maintenant, il y a eu des conséquences aussi. On a eu beaucoup, beaucoup dans nos startups, on a eu beaucoup de startups qui ont tourné au ralenti parce que c'était des startups, par exemple, de livraison. C'était des startups où pour avoir des nouveaux contrats, c'est quasiment impossible en période de confinement. Alors que la définition même de la startup, c'est de développer son entreprise dès le départ, donc de rencontrer des gens, de signer des nouveaux contrats. Et en période de confinement, tout ça était à l'arrêt. Parce qu'on n'était pas dans le même état d'esprit. Les clients ne sont pas dans un état d'esprit de faire des nouveaux contrats ou de rencontrer des gens, même via Skype. Alors pour les convaincre, c'est super difficile. Donc oui, c'est une période qui n'est pas. On ne fait pas évoluer sa start-up ou son entreprise, même on vit plus dans ses réserves. Et donc pour nous, même si on a beaucoup de startups dans les technologies, ça reste la même chose, on n'arrive pas à vendre plus de services. Donc pour nous, c'est super important qu'on puisse réfléchir au monde de demain, à savoir que les gens acceptent plus le travail à domicile et que pour eux, c'est plus une barrière et qu'on arrive aussi à, pas dire oublier les vieux réflexes, mais qu'on arrive à faire en sorte de combiner les vieux réflexes avec les nouveaux et de permettre à la société de tourner, même si on est confiné. Et ça, c'est super important de pouvoir l'envisager pour le monde de demain, que ce soit dans les technologies, que ce soit dans les entreprises un peu plus innovantes, que ce soit de manière générale, que ce soit aussi pour les administrations communales et les administrations, je veux dire, du gouvernement. C'est super important qu'on puisse s'adapter et les technologies nous y aident beaucoup. Vous avez déjà évoqué cet aspect. Avec la crise, on le voit, l'entrepreneuriat affiche à certains égards une image d'insécurité. Selon vous, comment est-ce qu'on peut rendre le fait d'entreprendre plus attrayant et plus sécurisant pour les jeunes générations? Vous avez également déjà évoqué quelques aspects liés à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez? Éventuellement, peut-être un message plus spécifique pour ce jeune garçon ou cette jeune fille qui veut se lancer dans un projet entrepreneurial dans le monde de demain? C'est un vrai challenge quand on a une start-up et une petite entreprise et qu'on est en plein développement et qu'on est en pleine recherche de clients de pouvoir signer de nouveaux contrats et de pouvoir avoir de nouveaux marchés en période de confinement. Tout est à l'arrêt, tout est bloqué et les entreprises ne sont plus à l'écoute de nouvelles solutions. Maintenant, un des avantages d'être indépendant et avoir sa propre entreprise, c'est qu'on a le contrôle de tout ça, c'est qu'on si on a pu mettre en place des outils et des moyens, une trésorerie suffisante par exemple pour pouvoir passer ce cap qui est cette période qui est le confinement. Et c'est super important d'avoir le contrôle. En tout cas, ça permet d'avoir une stratégie et une vision à long terme. Maintenant, en tant qu'employé, ce contrôle-là, on ne l'a pas. On dépend de sa hiérarchie, on dépend de son entreprise, on dépend de la politique de son entreprise et les risques de perdre son travail est plus accru même si on l'a préparé par le passé. Donc c'est quelque chose qui est super important de pouvoir garder le contrôle sur son activité professionnelle. Ça, c'est un des conseils que je peux donner.
Et par la suite, il y a aussi on n'est pas encore sûr de ce qui va arriver à ce moment-ci, mais on a déjà des échos d'énormément de pertes d'emplois, d'énormément de pertes d'emplois d'indépendants, mais aussi une grande vague de licenciements qui va s'annoncer pour de grandes entreprises qui sont restées à l'arrêt pendant plus de 2 mois. Et ça, il faut vraiment pouvoir réfléchir à un plan de relance pour la suite, pour faire en sorte que les indépendants, mais aussi les grandes entreprises, licencient le moins possible. Merci Ibrahim Ouassari pour ces réflexions et bon courage à vous. Merci à vous.